Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau webinaire gratuit organisé par le département formation d'achatpublic.com. Donc achatpublic.com, comme on peut le voir sur la slide suivante, créée en 2003, c'est une entreprise composée d'experts en marché public et qui est leader en France dans le domaine des services aux acteurs de la commande publique. Je vais vous demander, Pauline, si vous pouvez passer la slide suivante. Donc, c'est effectivement la première solution utilisée par les acheteurs publics pour la dématérialisation. Et puis, c'est surtout une source d'information incontournable grâce notamment à son site achatpublic.info. Et puis, ce sont des formations au marché public destinées aux acheteurs et aux entreprises soumissionnaires. En 2003, ce sont plus de 50 programmes et 600 sessions programmées à Paris, en province, dans les dom-toms, mais aussi en classe virtuelle, et des formations qui sont bien sûr déclinables dans vos locaux à partir de 4 personnes intéressées ou sur mesure en fonction de vos problématiques propres. Donc, autour du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, vous trouverez notamment des formations autour de la réglementation du développement durable dans les marchés publics, sur sa mise en œuvre, mais aussi formation très demandée depuis un an maintenant, une formation phare sur la théorie de l'imprévision appliquée au marché public. Il est vrai que dans le contexte actuel d'augmentation des coûts divers et variés. Cette formation vous donne vraiment des clés pour adapter votre métier, vos appels d'offres et vos décisions à ce contexte. Donc, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pauline Dehany, qui est experte en clause sociale d'insertion, et de Romane Papalardo, chargée de mission développement responsable des territoires. Toutes les deux appartiennent à l'association Alliance Ville Emploi. Donc, Alliance Ville Emploi, c'est une association nationale dont les adhérents sont des collectivités locales, majoritairement des intercommunalités, et des structures qu'elles portent, MDE, PLIE, des structures investies sur les questions d'emploi et d'insertion. Et ces collectivités et ces structures membres d'Alliance Ville Emploi s'attachent à la fois à favoriser l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi, à accompagner et mobiliser les entreprises et en particulier les TPE et les PME, à animer et coordonner les acteurs de l'emploi à l'échelle des territoires, et enfin, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à mobiliser la commande publique pour favoriser l'inclusion et la montée en compétences de ces divers publics. Voilà, donc Pauline va en reparler. Je vais donc lui laisser la parole pour ce webinaire sur l'actualité de la commande publique responsable à travers les clauses sociales. N'hésitez pas tout au long du webinaire à utiliser le petit module questions qui doit être vous apparaître via un point d'interrogation sur votre écran au sein du menu. Et je les lui relayerai ainsi qu'à Romane en fin d'intervention afin d'avoir une interactivité sur les questions que vous auriez pu vous poser. Voilà, Pauline, je vous laisse la parole. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci à tous, bon webinaire. Merci à vous et merci pour cette introduction et cette invitation à ce webinaire donc sur la commande publique socialement responsable. Je suis Pauline Dehany, donc consultante et formatrice pour l'association Alliance Ville Emploi, que j'accompagne à la fois sur le volet technique et juridique de ces activités liées à la commande publique responsable. J'interviens également pour la formation des facilitateurs des clauses sociales. Assez rapidement, je travaille sur ce sujet de l'achat responsable depuis une dizaine d'années, donc tant sur l'accompagnement du réseau des facilitateurs qu'auprès d'acheteurs également, puisque j'ai eu l'occasion d'exercer en administration centrale dans le cadre de précédentes fonctions, notamment la DAJE de Bercy sur la rédaction du guide des aspects sociaux de la commande publique, donc qui est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui et que vous avez peut-être d'ores et déjà consulté. Pour ce qui nous occupe aujourd'hui, donc on va aborder différents points d'actualité sur le volet social, en particulier de la commande publique responsable. Dans un premier temps, on évoquera le PNAD 2021-2025 et notamment ses dernières actualités en termes de déploiement avec l'appel à projet de la DGEFP,
donc ministère du Travail, sur le développement des postes de facilitateurs. On s'intéressera ensuite aux spazers et à l'élargissement de leur périmètre d'adoption depuis le début d'année. On reviendra sur la loi climat et résilience qui date de 2021, qu'on reverra rapidement en synthèse un petit peu les points saillants autour de la commande publique. Et pour enfin terminer sur une présentation de la boîte à outils sociaux, des différents leviers qui existent et qui sont à disposition des acheteurs. Pour enfin, en seconde partie, donc vous représentez plus en détail l'Alliance Ville Emploi et le réseau des facilitateurs des clauses sociales, qui peuvent donc vraiment apporter une offre de services importante aux acheteurs aux égards de la montée en charge des obligations et du contexte réglementaire. On abordera donc l'Alliance Ville Emploi, le réseau et puis bien sûr les résultats du dispositif en 2025, puisque l'Alliance Ville Emploi réalise une consolidation nationale de ces résultats. Le plan national pour l'achat durable, donc le PNAD 2021-2025, que vous connaissez peut-être, donc c'est une feuille de route nationale pour les achats responsables qui est pilotée par le CGDD en interministériel, donc en copilotage avec la direction des achats de l'État, la direction des affaires juridiques et la DGEFP, Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Et c'est une feuille de route qui s'adresse à l'ensemble des acheteurs publics, donc qu'ils soient État, collectivités ou secteur hospitalier, par extension au secteur aux achats privés également, et qui rentre, c'est un plan qui rentre en cohérence avec les obligations issues de la loi climat et résilience, que nous verrons dans un second temps, et qui vient en fait conforter cette dynamique. Deux objectifs principaux sur ce plan. Le premier objectif, il porte sur le volet environnemental. Donc, à l'issue du plan en 2025, 100% des contrats de la commande publique notifiés au cours de l'année devront comprendre une considération environnementale. Donc, un objectif effectivement très ambitieux, puisqu'on voit bien qu'il y a une démarche de généralisation des considérations environnementales finalement sur l'ensemble des marchés. Et un objectif numéro 2 sur le plan social. Avec 30% des contrats de la commande publique notifiés au cours de l'année qui devront intégrer une considération sociale. Donc, un rehaussement par rapport au plan précédent. Pour peut-être dire quelques mots supplémentaires au-delà de ces deux objectifs, le PNAD, si vous avez eu l'occasion de le consulter, prévoit deux axes qui sont en fait à destination, qui traitent de l'accompagnement des acheteurs pour atteindre justement la réalisation de ces objectifs. Donc un axe sur l'aide aux acheteurs, le développement d'outils, de ressources à leur disposition pour atteindre les ambitions du PNAD qui sont importantes et qui marchent un palier quand même important à l'horizon du plan. Et un second volet sur l'animation, la promotion, le portage du PNAD nationalement et au sein des territoires. Donc, le PNAD, pour dire quelques mots en termes d'actualité très, très récente. Sur le volet social, nous avons eu l'appel à projet de la DGEFP, ministère du Travail, sur le développement des postes de facilitateurs des clauses sociales. Donc, l'objectif de cet appel à projet est double. Il est à la fois d'assurer une couverture territoriale exhaustive par les facilitateurs, parce que c'est vrai qu'actuellement, on a 580 facilitateurs en France. Une couverture territoriale qui est plutôt bonne, mais néanmoins, il demeurait certaines zones blanches où finalement les acheteurs n'avaient pas la possibilité de recourir au service d'un facilitateur, ce qui, on le verra, est un obstacle pour le développement des clauses sociales qui nécessite vraiment un interlocuteur de proximité qui est le facilitateur. Donc, un besoin d'aller couvrir ces zones blanches et en parallèle, la nécessité également de structurer des coordinations régionales des facilitateurs sur chaque région française, qui sont absolument indispensables en fait au développement des clauses sociales sur les marchés, notamment de l'État, plus largement sur l'ensemble des marchés qui ont une couverture nationale ou plurirégionale.
puisque la mise en œuvre et à la fois la préparation et la mise en œuvre vont nécessiter une coordination vraiment région par région pour un déploiement effectif du dispositif. Donc à ce niveau-là, ce sont 80, ça représente 95 équivalents temps plein sur l'année 2022 et 90 postes, 90 ETP supplémentaires a priori sur l'année 2023. Donc un renforcement important, une montée en charge des capacités d'accompagnement aussi pour ces acheteurs. Sur le volet environnemental, le CGDD, donc le Commissariat général au développement durable, donc qui dépend du ministère de l'Environnement, a mis en place en fin d'année 2022, donc c'est tout récent, des guichets verts. Donc les guichets verts sont un service gratuit de conseil environnemental de premier niveau, donc un premier niveau de consultation. Ces guichets verts sont portés par les réseaux régionaux de l'achat durable qui préexistaient et qui n'assurent pas tout à fait une couverture exhaustive du territoire français, mais il y a bien cette ambition à terme de proposer ce service à l'ensemble des régions, puisqu'aujourd'hui on a la Bourgogne-Franche-Comté et une partie du Grand Est, hormis l'Alsace qui est couverte, mais sinon qui ne sont pas encore pourvus de réseau régional d'achat durable, contrairement à l'ensemble des autres régions. Mais la volonté est effectivement de pouvoir proposer ce service de premier conseil sur le calibrage environnemental des projets pour les acheteurs publics. Vous dire quelques mots des SPASER, les schémas publics d'achat socialement et écologiquement responsables, puisque c'est également un outil de pilotage important, à la fois pour les collectivités, mais aussi pour certains établissements publics nationaux. C'est vrai qu'on observe, on va le voir hein, tout au long de cette présentation, une certaine inflation finalement législative et réglementaire sur les différentes dimensions que compose l'achat responsable. Et ce que l'on observe, c'est que finalement ces SPASER sont vraiment un outil de mise en cohérence et de pilotage de l'achat responsable et finalement représentent une certaine opportunité pour monter en compétence au regard des objectifs qui sont posés à l'horizon 2026 et être prêt à répondre à ces obligations. Donc, les SPASER ont été introduits en 2014 à l'occasion de la loi cadre sur l'économie sociale et solidaire, la loi Hamon. En 2014, initialement, lorsqu'ils ont été conçus, ils ne comportaient qu'un volet social uniquement. Et c'est seulement en 2015, donc rapidement après, avec la loi Transition écologique et croissance verte, qu'on va ajouter au SPASER, finalement, leur adosser le volet environnemental et circulaire, donc qui font bah, aujourd'hui pleinement partie des SPASER. Jusqu'en 2021, les SPASER concernaient donc les collectivités et certains établissements publics créé par la loi, à partir d'un seuil minimum d'achat de 100 millions d'euros annuels hors taxes. Et la loi climat et résilience vient de diminuer ce seuil, ce qui fait qu'automatiquement, on a un élargissement du périmètre des acteurs concernés, puisque ce seuil est à 50 millions d'euros depuis le 1er janvier 2023. Il est entré en vigueur cette année. Et la loi climat et résilience a aussi permis de renforcer la dimension qualitative du SPASER, puisque le contenu est davantage précisé, et notamment sur le volet suivi, indicateur de suivi et publication des résultats tous les 2 ans. Donc on le voit, on a la volonté avec cet outil voilà, de mettre en cohérence finalement l'ensemble des préoccupations des acheteurs au sein d'un document unique de pilotage. Donc voilà, comme je l'évoquais à l'instant, c'est vrai qu'au-delà de l'obligation en tant que telle qui est posée par le Code de la commande publique, c'est vraiment l'opportunité de mettre en cohérence la fonction achat avec les politiques publiques déjà mises en œuvre par la personne publique et
de structurer finalement la fonction achat autour d'objectifs partagés et définis de manière commune. L'élargissement du périmètre de l'obligation, donc il y a eu une étude d'impact réalisée par la direction des affaires juridiques de Bercy pour le volet collectivité. Donc on passerait de 160 collectivités territoriales précédemment concernées à 320. Donc précédemment, c'est vrai que cela concernait essentiellement les régions et les grandes métropoles. Là, effectivement, on est sur des seuils qui concernent plus largement l'ensemble des collectivités territoriales. Une politique d'achat responsable renforcée, je le disais à l'instant, à travers la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour chaque axe stratégique. Le social, l'environnement, l'économique, qui peuvent se décliner bien sûr sur des thématiques précises, biodiversité, achat éthique, etc., qui doivent bien sûr, objectifs qui doivent être en cohérence avec ceux que l'on vient de voir, issus du plan national des achats durables, et donc les 100% de considération environnementale à l'horizon 2026 et 30% pour le plan social. Une publicité du schéma qui est renforcée, puisque le reporting doit être, le schéma en tant que tel doit être publié sur le site de l'acheteur et le reporting des indicateurs définis publié tous les 2 ans. Donc c'est vraiment finalement un outil structurant au service d'une politique d'achat durable performante et partagée qui va pouvoir, je dirais, fonctionner en transversalité avec l'ensemble des directions concernées. La loi climat et résilience, donc peut-être en dire, en revenir dessus, même si elle date de 2021, sur vraiment les éléments les plus importants, je dirais. Donc c'est une loi qui reprend à la fois un certain nombre d'obligations pour le volet commande publique, sur le volet social et sur le volet environnemental. Sur le volet environnemental, finalement, on observe une concordance, hein, puisque la loi climat et résilience, le PNAD, la rédaction du PNAD sont intervenues dans un laps de temps similaire. Donc, la prise en compte obligatoire de l'environnement dans les conditions d'exécution à l'horizon de 2026, donc objectif de la loi qui a été repris dans le PNAD. Effectivement, tous les contrats, quel que soit leur montant, devront obligatoirement comporter une condition d'exécution environnementale, quel que soit aussi le secteur concerné ou la nature du contrat public. Toujours sur le volet environnemental, on a finalement une logique. Un peu similaire, je dirais, au niveau des critères d'attribution, puisqu'il est mis fin à l'horizon 2026 au critère unique du prix, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible d'attribuer un marché sur ce seul critère du prix. Ce sera soit effectivement le critère du coût, qui permet d'intégrer les externalités de l'achat, notamment les externalités environnementales, soit eh bien, un des autres critères fixés par le code, auquel devra en plus obligatoirement figurer un critère relatif aux performances environnementales. Donc quelque chose effectivement d'assez ambitieux, on voit bien qu'il y a une logique forte pour. Voilà, donner corps à la prise en compte du développement durable dans la politique d'achat des acheteurs, quels qu'ils soient. Sur le volet social, alors là, c'est intéressant, c'est vrai que ça rentre en résonance à la fois avec le PNAD, mais c'est conçu de manière un peu différente que sur le volet environnemental, puisque sur le domaine social, en fait, ce seront tous les contrats supérieurs au seuil européen. Qui devront nécessairement intégrer une dimension sociale. Donc rappelez-vous, le PNAD, c'est 30% du volume global sur l'année qui doivent comporter une dimension sociale. Et ensuite, si on s'intéresse contrat par contrat, effectivement, de fait, 100% des contrats supérieurs au seuil européen comporteront une dimension sociale. Donc pour rappel, les seuils sur les marchés de services et fournitures
Pour l'État, on se situe à 140 000 euros, pour les collectivités à 215 000, et sur les marchés de travaux, nous sommes un peu plus de 5 millions. La loi climat et résilience a également permis le renforcement des SPASER, donc qui est entré en vigueur en 2023, j'en parlais à l'instant. SPASER qui effectivement concerne, on le voit sans difficulté, qui concerne largement les collectivités, mais c'est moins sûr, les SPASER concernent, selon les termes de la loi, également les établissements publics nationaux qui sont régis par la loi et non par le décret, ce qui nécessite effectivement une étude au cas par cas pour savoir si en tant qu'établissement public, vous seriez concerné par l'adoption d'un SPASER. Nous avons sur le volet contrat de concession un renforcement aussi de l'ensemble du volet développement durable, que ce soit dans sa dimension sociale ou environnementale, puisque le rapport annuel du concessionnaire devra intégrer tout un volet sur ces considérations. En parallèle, est entrée en vigueur l'année dernière les interdictions de soumissionner relatives au non-respect du devoir de vigilance. Donc, le devoir de vigilance concerne aujourd'hui les sociétés multinationales. Donc, ce sont celles établies en France qui ont 5 000 salariés ou bien celles qui ont 10 000 salariés en France et à l'étranger qui doivent adopter un plan de vigilance. Donc, un plan de vigilance, c'est un ensemble de mesures qui permettent de limiter les risques, notamment en termes d'atteinte des droits humains ou d'atteinte grave à l'environnement, à la fois pour son propre établissement, mais aussi pour l'ensemble de ses sous-traitants. Voilà, c'est une loi qui date de 2017 en France, qui avait été inspirée suite à certains accidents dans la filière textile. Donc, une faculté quand même importante pour l'acheteur, finalement, d'indiquer à ces entreprises qui sont soumises au devoir de vigilance, si elles ne respectent pas cette obligation, une interdiction donc, de soumissionner à la commande publique. Donc, un levier important aussi. Un autre aspect qui est intéressant, c'est effectivement plus en termes de perspective, puisque là, on se situe à l'horizon 2030. C'est l'obligation d'utiliser des matériaux biosourcés ou bas carbone dans au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Donc effectivement, là, on a un signal important qui est envoyé au secteur. Et puis, en parallèle voilà, de l'ensemble de ces évolutions et des évolutions du métier d'acheteur et du contexte, du renforcement, je dirais, des considérations sociales et environnementales. L'État a pris l'engagement, à travers cette loi, de mettre à disposition des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat, donc d'ici 2025. L'objectif, c'est effectivement l'analyse du coût du cycle de vie permet finalement de s'intéresser à l'ensemble des externalités sociales et environnementales. Sur l'ensemble du cycle de vie du produit, donc de la matière première à la transformation, l'industrialisation éventuellement. Donc l'objectif, c'est bien pour l'État de pouvoir accompagner les acheteurs avec des outils sur les principaux segments d'achat. Alors aujourd'hui, nous avons finalement toute une boîte à outils sociaux qui est à disposition des acheteurs. Parce que si on s'intéresse effectivement à ce que sont les considérations sociales, donc bien sûr, il y a l'insertion des personnes éloignées de l'emploi qui est la considération sociale historiquement la plus mobilisée, puisque les clauses sociales d'insertion les clauses sociales d'insertion pour les personnes éloignées de l'emploi se sont développées dans les années 90, d'abord de par l'expérience des collectivités, des bailleurs sociaux. Donc c'est vrai qu'on a souvent en tête surtout ce sujet-là. Néanmoins, d'autres considérations sociales sont susceptibles d'être mobilisées par les acheteurs, notamment ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. On observe des retours de pratique sur la prévention
des risques psychosomatiques, par exemple, au travail. L'acheteur peut aussi s'intéresser au caractère équitable des produits ou des prestations. Donc, acheter finalement des produits ou des services issus du caractère équitable qui donnent un certain nombre de garanties en termes de respect des droits humains et d'équilibre des relations commerciales, mais aussi de respect de l'environnement. On a bien sûr le sujet, c'est d'actualité puisque des annonces sont intervenues sur le sujet de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Là, alors effectivement, on est sur un champ un peu plus innovant, sur lesquels des pionniers ont des premières expériences à faire valoir. Il s'agit de voir comment, dans le cadre de l'exécution d'un marché public, on peut en tout cas encourager les bonnes pratiques de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, voire à terme interdire de soumissionner les entreprises qui n'auraient pas obtenu une note suffisante à l'index égalité. Il est possible également de s'intéresser au respect des droits humains sur les chaînes d'approvisionnement. Les directions des achats de l'État ont notamment publié un guide sur le sujet qui permet, comme je le prenais pour exemple tout à l'heure sur la filière textile, finalement de poser un certain nombre d'exigences pour s'assurer que les droits humains soient respectés de l'extraction de la matière première agricole, le coton, jusqu'à la confection de vêtements et y compris lors du processus industriel. Donc l'acheteur est aussi en capacité d'avoir certaines exigences à cet égard et certains leviers. Et enfin, vous avez aussi, sous l'impulsion du ministère de l'Éducation nationale, les clauses de lutte contre le décrochage scolaire qui permettent voilà, un jeune issu du système scolaire sans qualification, finalement d'avoir une période d'immersion et de réintégrer le système scolaire. Donc des considérations sociales, effectivement, un potentiel important. Là, les différentes thématiques dont on vient de parler ne sont pas limitatives. On pourrait imaginer que d'autres considérations sociales se développent. Et qui vont pouvoir être mobilisés finalement avec tout un panel d'outils juridiques qui s'appliquent finalement pour ces différents sujets. Il est possible de mobiliser des conditions d'exécution sociale, donc assez classiquement par exemple pour l'insertion des personnes à l'éloignement de l'emploi, un critère d'attribution sociale où finalement on va valoriser au travers de la notation les engagements pris par les soumissionnaires, donc critère que l'on utilise conjointement avec une condition d'exécution sociale. Nous avons ensuite toutes les interdictions de soumissionner, donc notamment pour le devoir de vigilance, mais aussi pour le non-respect en matière de législation sur l'égalité femmes-hommes ou de condamnation sur ce sujet-là. Donc ça, ce sont des choses qui existent déjà. Et ensuite, nous avons l'ensemble de la catégorie des marchés réservés, donc les marchés réservés où seuls certains opérateurs économiques peuvent se positionner, donc que ce soit les structures d'insertion par l'activité économique et ou les structures du handicap, ce que l'acheteur peut réserver à l'un de ces secteurs ou bien aux deux en même temps, depuis la loi ASAP. Nous avons les marchés réservés aux structures de l'économie sociale et solidaire, dont les conditions sont assez restrictives, malheureusement, qu'il est encore difficile de mobiliser. Et puis, très dernièrement, nous avons eu les décrets qui sont sortis au sujet des marchés réservés aux opérateurs économiques qui réalisent la prestation en milieu pénitentiaire. Donc, finalement, voilà un ensemble, toute une mallette à outils à disposition des acheteurs aujourd'hui. Qui sont à même de mobiliser à la fois au titre de l'exemplarité des pouvoirs publics et de leurs obligations à venir sur
sur l'achat socialement responsable dans le cadre du déploiement du plan national des achats durables. Donc à présent, vous dire bien sûr de quelle manière le réseau des facilitateurs est en mesure de vous proposer une offre de services aux acheteurs dans ce contexte-là. L'Alliance de l'emploi, c'est un réseau d'élus et de collectivités territoriales qui sont investis dans les politiques de l'insertion et de l'emploi. L'Alliance de l'emploi accompagne donc ces collectivités dans le déploiement de leurs politiques, donc que ce soit les maisons de l'emploi, les plans locaux d'insertion et d'emploi, les PLI, et le réseau des facilitateurs des clauses sociales d'insertion, donc qui sont notamment les interlocuteurs des acheteurs. L'objectif de l'Alliance Ville Emploi, à travers différentes missions, c'est à la fois de poser un cadre qui permet l'échange de pratiques, l'innovation et l'essaimage entre ses membres, donc tout ce qui concerne la capitalisation des bonnes pratiques et leur duplication. C'est bien sûr de participer à la professionnalisation, à la montée en compétence du réseau, tant du côté salarié qu'élu. Et ensuite, c'est effectivement de promouvoir les intérêts à la fois du réseau et des politiques portées par le réseau auprès de ses différents interlocuteurs nationaux et locaux. En tant que réseau national des facilitateurs de la clause sociale, spécifiquement sur ce point, l'Alliance de l'emploi est chargée de la formation des facilitateurs, une formation qui est réalisée selon deux niveaux différents et qui comporte également un certain nombre de modules thématiques, notamment sur les sujets plus innovants que j'évoquais tout à l'heure dans les aspects sociaux, que ce soit le module sur le commerce équitable, l'égalité femmes-hommes ou d'autres sujets encore. L'Alliance de l'emploi, bien sûr, apporte un appui à la fois aux facilitateurs et aux donneurs d'ordre via un système de questions-réponses et l'organisation d'assistance technique directement sur site en cas de projet spécifique ou de problématiques rencontrées un peu particulières qui nécessitent une aide extérieure. L'Alliance de l'emploi apporte aussi un appui sur la gestion du logiciel de suivi des clauses sociales, qui est un aspect important parce qu'effectivement, le réseau est équipé d'un outil professionnel, un outil métier, logiciel métier qui permet derrière d'assurer le reporting des résultats de la clause sociale nationalement à travers les consolidations tant nationales que régionales sur la clause sociale qui sont publiées chaque année et dont je vous présenterai les résultats juste après. Enfin, l'association apporte aussi un certain nombre de ressources à travers notamment la rédaction des fondamentaux de la clause sociale, qui est une publication qui est en train d'être mise à jour, qui sera republiée dans sa troisième version cette année. Qui comporte, qui est une publication là vraiment à destination des facilitateurs. J'évoquais en introduction le guide aspects sociaux de la DAJ qui se destine plutôt aux acheteurs, même s'il intéresse l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Là, sur cette publication, on recueille des fondamentaux de la clause sociale. On est vraiment sur des questions plus pratico-pratiques qui ne manquent pas de dimension juridique, évidemment, mais qui s'adressent en tout cas davantage au réseau directement. Et enfin, l'Alliance de l'emploi permet aussi la mise en relation, la mise en lien entre les interlocuteurs nationaux et les différents sujets d'actualité. Donc, actuellement en France, nous dénombrons 582 facilitateurs qui sont répartis dans 360 communes. Alors, pour dire peut-être quelques mots pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore le métier de facilitateur de la clause sociale, l'idée, c'est vraiment l'esprit d'un guichet unique, c'est-à-dire que le facilitateur intervient auprès de tout un écosystème. Finalement, il a un rôle d'ensemblier et il va proposer un certain nombre de services à tous ses opérateurs de l'écosystème. Donc, la clause sociale, c'est vraiment l'idée d'utiliser la commande publique comme un levier pour l'emploi des personnes qui sont éloignées,
Donc, si vous participez à ce webinaire, je pense que vous avez une idée de ce qu'est une clause sociale. Si ce n'est pas le cas, l'idée à retenir, c'est qu'effectivement, les marchés publics génèrent, quel que soit le secteur d'activité, un certain volume de travail. Et l'objectif est de réserver une part de ce volume de travail pour le retour à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Donc, pour y parvenir, eh bien, le facilitateur va accompagner les acheteurs. Donc là, il a un rôle de conseil. Il va l'aider à analyser les marchés qui peuvent être porteurs des clauses sociales, l'aider à calibrer la clause, puisque la clause va se traduire bien souvent en un nombre d'heures de travail à réaliser sur l'opération. Et il va proposer une rédaction de la clause sociale à intégrer au document de consultation des entreprises. Pour l'acheteur au sein des documents particuliers du marché, puisque effectivement, cette phase de préparation est très importante, puisque c'est là qu'on calibre et qu'on fait en sorte de structurer tout la mise en œuvre finalement de la clause sociale très, très concrète. Tout se règle au stade de la rédaction du marché. Et bien sûr, après le facilitateur, une fois que le marché est attribué, publié puis attribué, va aider finalement à la réalisation auprès des entreprises titulaires. Et là, le facilitateur, pour le compte de l'acheteur, réalise tout ce suivi et ce suivi d'exécution et ce reporting. Par rapport aux entreprises, effectivement, le facilitateur, donc, il intervient, je viens de le dire, effectivement en contrôle, mais surtout quand même en accompagnement. C'est-à-dire qu'il va proposer à l'entreprise des candidats éligibles, l'informer sur la manière dont l'entreprise va pouvoir réaliser sa clause sociale en fonction, voilà, de son propre fonctionnement interne. Et finalement, proposer des solutions pertinentes à la fois pour l'entreprise et pour les personnes éloignées de l'emploi. Le facilitateur, bien sûr, pour réaliser tout ce travail, il s'appuie sur tout un réseau de prescripteurs des services publics de l'emploi pour à la fois eh bien, développer des partenariats pour dynamiser le marché de l'emploi, mais aussi repérer tous ces publics éligibles qui vont être positionnés ensuite sur la réalisation de la clause sociale du marché public. Et enfin, le facilitateur accompagne les structures porteuses d'un contrat de clause sociale. Donc, il s'agit soit des entreprises attributaires si elles embauchent directement, soit des structures qui font de la mise à disposition de personnel, notamment les structures inclusives, donc les SIAE et les structures du handicap qui se positionnent majoritairement sur le sujet. Et la personne, en fait, effectivement, la personne en insertion va pouvoir progressivement, de par l'accompagnement aussi dont elle bénéficie, se voir proposer un véritable parcours vers l'emploi pour retourner vers l'emploi durable à l'issue de son passage sur le dispositif clause sociale. En termes de résultats, donc pour la consolidation 2020, nous avons plus de 12 500 équivalents temps plein annuels. Donc une progression importante de 8,5% par rapport à l'année précédente. Donc ces 12 500 ETP représentent plus de 64 000 contrats de travail pour plus de 48 000 participants. Donc des données en augmentation d'année en année depuis que la consolidation existe depuis 2012, si je ne me trompe pas. Ces résultats ont été consolidés grâce au travail réalisé en partenariat entre les facilitateurs et plus de 3 000 acheteurs, la clause portait sur 50 000 marchés et a mobilisé près de 15 000 entreprises sur le dispositif. Voilà pour les résultats. J'arrive au terme de ma présentation. J'espère avoir été claire et j'espère également que vous auriez peut-être des remarques ou des interrogations à nous proposer. Merci beaucoup, Pauline. C'est nous qui vous remercions effectivement votre
présentation était extrêmement claire et extrêmement enrichissante. Nous avons effectivement eu beaucoup de questions durant votre intervention. Alors, nous ne pourrons peut-être pas toutes les traiter lors de cette session live. Mais voilà, on avait beaucoup de questions sur le rôle du facilitateur. Et c'était au début de votre intervention. Mais du coup, vous y avez bien répondu en fin d'intervention. Donc, je pense que nos participants auront bien compris quel était votre rôle. Mais par contre, on a une question peut-être pratico-pratique sur comment trouve-t-on le facilitateur de notre territoire? Alors, vous pouvez, si vous n'aviez pas encore identifié le facilitateur de votre territoire, vous avez sur le site de l'Alliance Ville Emploi, qui est affiché à l'écran, un annuaire national des facilitateurs de la clause sociale. Parfait. Voilà, voilà, Un premier annuaire élément de réponse. qu'on est en train de mettre à jour en ligne. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter directement si vous ne trouvez pas votre facilitateur. Et voilà, on pourra vous répondre, contacter le réseau et voilà, voir quel est l'interlocuteur le plus indiqué pour vous accompagner. Bon, bah ça c'est super. Alors on a abordé effectivement le cas du Spazer hein, dans le cadre du PNAD et on a eu beaucoup de questions à ce sujet. Je vais essayer de résumer un petit peu et vous verrez dans quelle mesure on peut y répondre. Mais voilà, le Spazer doit-il s'inscrire sur une durée de 5 ans ou est-ce qu'on est libre d'en fixer la durée? Et puis, est-ce qu'il doit obligatoirement comporter des chiffres chiffrés, des objectifs chiffrés, on va dire, ou est-ce qu'on peut seulement indiquer, par exemple, on a un objectif de renforcer l'intégration de clauses d'insertion sociale dans les marchés de travaux, par exemple? Alors, la durée des spazers, effectivement, elle est libre. Le texte ne prévoit pas de durée minimum ou de durée qui correspondrait à celle du PNAD. Ce que l'on peut observer en général, c'est vrai que c'est plutôt sur des périodes de 4-5 ans parce qu'effectivement, il y a un travail d'élaboration qui est quand même important et de compilation des données et de mise en place d'une stratégie. Donc, c'est souvent des durées de cet ordre-là. Mais aucune obligation en la matière. L'acheteur est tout à fait libre de déterminer la durée de son spazer. Et effectivement, la loi climat et résilience, donc le Spaser version 2021, prévoit dans le texte du code de la commande publique certains indicateurs chiffrés, notamment en termes d'objectifs de volume d'achat auprès du secteur inclusif, donc auprès des SIE et des structures du handicap. Après, il est possible de concevoir bien sûr d'autres indicateurs au-delà de ce reporting qui est prévu. C'est bien souvent l'optique qui est retenue par les acheteurs. Et alors, toujours à propos du Spazer, dans quelle mesure est-ce qu'il s'impose? Alors, on a bien compris que pour les collectivités, effectivement, il y avait beaucoup de choses à faire, mais est-ce qu'il s'impose au niveau des bailleurs sociaux, des HLM et des hôpitaux? Alors, au-delà des collectivités, c'est vraiment une étude au cas par cas, si vous voulez, parce que le terme de la loi évoque finalement les acheteurs soumis au code dont le statut est fixé par la loi. Donc, notamment pour les établissements publics, il faut voir si l'établissement si le statut a été fixé par la loi ou par le règlement. Malheureusement, nous n'avons pas d'études d'impact ou de listes qui nous permettraient d'identifier en amont quelles sont ces structures concernées. Mais il y a vraiment une appréciation cas par cas à avoir en dehors du cas des collectivités. D'accord. Et alors, je rebondis aussi sur des questions qui nous ont été posées. Donc, on a bien compris que Alliance Ville Emploi était auprès des collectivités pour les accompagner. Mais est-ce le cas aussi pour des structures telles que les hôpitaux et les OPH, justement? Alors, l'Alliance Ville Emploi a un certain nombre de conventions de partenariat avec des donneurs d'ordre nationaux, notamment avec le RESA, le réseau des achats hospitaliers. Donc, il y a des possibilités de conventionnement. C'est vrai que si pour les donneurs d'ordre nationaux, si telle était la démarche, je vous invite à peut-être recontacter l'Alliance Ville Emploi pour qu'on en
puisse en échanger en bilatéral en lien avec l'organe de direction. En tout cas, voilà, sachez que cette offre existe. Certains donneurs nationaux, notamment l'UGAP, aussi, je parlais du RESA, mais il y a l'UGAP également, travaillent donc main dans la main avec l'Alliance Ville Emploi. D'accord. Et en ce qui concerne les services de l'État, est-ce que vous avez aussi une action en particulier? Alors, par rapport au travail avec les services de l'État, effectivement, si vous voulez, c'est un chantier qui est en cours du fait du développement de l'appel à projet facilitateur et donc du financement par l'État d'un certain nombre de postes. Alors, pour couvrir les zones blanches, comme je l'évoquais, mais aussi pour permettre les coordinations régionales en lien avec les PRFRA, les plateformes régionales de l'achat du côté de l'État, et pour travailler donc entre coordinateurs régionaux et Alliance Ville Emploi et ces PRFRA. Sur l'accompagnement, hein, l'objectif de cet appel à projet, c'est bien d'être en capacité effectivement d'accompagner les services de l'État dans le développement des clauses sociales. Parfait. Merci pour cette réponse. Et puis, bah, écoutez, je vais vous poser une dernière question. Vous nous avez effectivement parlé au niveau de votre association d'une boîte à outils sociaux à disposition des acheteurs. Est-ce que vous pourriez nous dire où trouver, pour tous ceux qui nous écoutent, cette boîte à outils? Alors, il y a un certain nombre de ressources qui existent sur le sujet. Je dirais pour l'Alliance Ville Emploi, voilà, ce travail qui est en cours d'actualisation du recueil des fondamentaux et je pense qu'il répondra à une partie des besoins. Pour les acheteurs publics et juristes marchés publics, c'est vrai que je conseillerais plutôt de consulter le guide des aspects sociaux, la direction des affaires juridiques, dans le sens où il comporte trois thématiques, qui traitent de trois sujets, l'insertion des personnes et l'emploi, la promotion de l'égalité femmes-hommes et le commerce équitable. Donc c'est vrai que ça permet quand même d'avoir une première entrée en la matière. Et vous avez aussi sur le sujet du respect des droits humains, le guide de la direction des achats de l'État cette fois. Voilà, qui concerne le respect des droits humains sur les chaînes d'approvisionnement. Et après, effectivement, il y a au-delà des outils qui sont mis à disposition tant par l'État que les réseaux régionaux, les réseaux régionaux aussi achats durables peuvent être notamment sur le volet environnemental, peuvent être vraiment d'un appui important. Et vous avez aussi, pour tout ce qui concerne les ressources, le réseau rapide. Pour l'échange de bonnes pratiques sur les achats responsables. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie infiniment. Je viens de partager via le chat le lien effectivement sur le guide des aspects sociaux de la commande publique. Donc voilà, que chacun pourra aller consulter. Et puis bah, écoutez, il me reste à vous remercier toutes les deux pour votre présence lors de ce webinaire, pour l'ensemble des informations que vous nous avez délivrées. Voilà, vous étiez très nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à aller consulter le site internet d'Alliance Ville Emploi pour en savoir plus. Et puis, ben, bien sûr, de vous renseigner sur les formations achats publics qui vous permettront aussi et surtout de progresser et de vous informer et d'être à la page sur ces nouvelles responsabilités que vous avez en termes d'achat durable, d'achat responsable. Donc voilà, merci à tous pour votre participation. Merci à Alliance Ville Emploi de nous avoir accompagnés sur ce webinaire. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau webinaire organisé par le département formation d'achat public. Merci Romane, merci Pauline. Merci. Merci à vous. Bon Merci après-midi à pour tous. l'invitation. Au revoir. Au revoir.